que tu as fait, c'était pas pour le moment. Tu as vu quel beau soleil, Yann? Il te dit bonjour. Ils sont venus parce que moi, ils sont venus pour me faire plaisir. Maman. La lumière là, Vladimir. Regarde la lumière. Ça veut dire que c'est Noël. Ça fait depuis longtemps Noël. Venez, Vladimir, vous allez prendre froid. Tu vois, Vladimir, pour ton anniversaire, il a neigé. Allez, rentrez. Il y en a là-haut aussi. Viens. Prends ça. Dans le frigo? Quoi? Dans le congélateur? Ouais. Oui! Il y en a au-dessus de la voiture! Ah ouais! Demande à moi d'apporter ici l'escabeau de la cuisine. Vladimir, vas-y. Mais on a sur la terrasse aussi. Quelle terrasse? L'escabeau. Derrière? On n'a pas besoin d'escabeau alors. C'est mais pour là-haut. Là-dessus. D'accord. Et après on ira à la terrasse. Donne à Nadia d'abord parce qu'elle est plus petite que toi. Venir. Gentil.
chanson de Donne-moi un bisou. À chaque fois qu'il dit Donne-moi un bisou, je fais un bisou à la gars, il me donne un bisou. Non, c'est vrai? C'est vrai. Je vais t'ouvrir. Maman, ça, c'est pour... C'est papa pour... Au congélateur. Papa, tu veux me voir? Pas sur la caméra, quand même. Viens, viens, on va aller sur dans la terrasse. Ouais. On va à la terrasse, papa. Avec le bossu de Notre-Dame, avec des nouveaux coussins. Ah, qu'ils ont de la chance, ces enfants. Thomas, toujours. Les planètes. L'avion. Et à côté de la vidéo avec le jeu de papa à l'époque. Et le film des Misérables qu'il vient de regarder avec Jean Gabin en entier, Vladimir, et qu'il a adoré. Eh bien, il y a Mozart, fait par Yaka. Disney. Et puis à l'entrée, il y a le tableau de Diodor Gosho, représenté enfant par Diodor Lad. Et justement avec les colliers de Chardin. Une belle perspective. Encore plus belle quand on regarde les deux chambres, où on voit les colliers de Diodor, et les colliers et la maman de Diodor, qui représente ici la chambre de Nadia. Avec la maman, qui tient le bébé dans ses bras. Naturellement, la lumière du matin est magnifique. C'est une chambre, le matin arrive avec du soleil, aussi avec les bossus de Notre-Dame, avec son bateau, Barbie, son ordinateur enfant, sa cassette pour écouter les histoires, ses livres, et c'est très joli. De Yaka. Tapisserie qu'elle a choisie elle-même pour sa chambre, dont celle-ci qu'elle adore et qui va si bien dans la chambre rose. Bonjour Vladimir. Est-ce que Nadia est dans sa chambre? Tu vas bien, mon chéri? Tu t'amuses bien dans ta maison? Fais un bisou à la caméra pour Yaka. Et pour? Quoi? Et pour? Yad. Je vais voir ta sœur. Papa, bonjour, papa. Nadia! Vous êtes dans la chambre rose? Oui. La chambre de Nadia. Nadia's room. Hello! Bonjour. Hello. Thank you, Evcaristo. À tout de suite. Tu es sur la terrasse? Oui. Lève les mains. Voilà. Nadia, lève les mains. Oh! J'étais la neige. Faites comme ça maintenant. Ta 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 ta. Ça fait comme le mausolée avec les grands défilés. Mais vous n'avez pas connu ça. Quoi? Allez, fais comme ça. Avec ta chapka en plus, tu feras comme Brejnev. Dis, dis, Nozdrov. T'as j'y vais. T'as j'y vais. T'as qu'est-ce que ça veut dire? Mais Vladimir, moi je peux pas parce que moi je peux, parce que moi je t'ai tout.
prendre ton petit déjeuner, mon amour? Tu manges tes céréales? Dans ta jolie cuisine? Il est gentil, ton frère. Non, Marc. Marc? D'accord. Ben alors, Vladimir, on va fermer la porte. La fenêtre. C'est glacé, hein? Quoi? C'est glacé, hein? Bon, moi, je crois que... D'abord, tu peux lui parler d'ici. Viens te réchauffer un peu les mains et ressors de nouveau. Les gants! Quoi? Les gants! On va les mettre sur le radiateur. Tenez. Donne-moi, Vladimir, donne-moi une. Mets-les au radiateur, Nadia. D'accord. Ils sont chauds, les radiateurs? Oui. Enlève tes bottes ici si tu peux. On va aller faire de l'eau chaude ici, Nadia. Mets de l'eau chaude. Non, non. Dans le robinet, dans la salle de bain. De quoi? Vladimir. Pour qu'il se lave les mains avec de l'eau chaude. À des fois. Comme ça. C'est pas pratique à faire. Vas-y. On a un système pour la bouche, la glace, de faire d'abord tes pieds. Oui. Pourquoi je peux prendre un gâteau? Oui. Il y a du soleil. T'as fait du bon travail, Vladimir. Un petit peu là. Moi, j'ai pas mon Marc. Marc, il est pas là, il est 8 ans. Et moi, mon mini va avoir 5 ans. Je vais vous faire une photo tous les deux ensemble. Tu te prépares? Tu vas y aller? Oui. Non. Tu étais très gentil d'avoir fait un bonhomme pour Nadia, Vladimir. Oui, ils sont prêts, peut-être, attendre. Je te les passerai par la fenêtre. Quatre yeux? Oui. Non, il faut un nez. Ah, le joli cache-colle. Non, il faut un nez, deux un yeux. Nez. J'en ai deux nez. Papa, c'est moi qui vais passer les oreilles. Alors, mets le tabouret. Je te le donnerai. Ta-da-ta-da! Tu es prêt pour les lunettes, pour les yeux? Oui. Tiens. Tu veux un? Deux. Hop, et c'est trois. Pas grave. Je vais te dire quand tu me donnes. Astronaute Naoumov. Papa, il est sur la planète Neige. Tu veux manger des olives? Une seule. Après, d'abord, il va construire. La lumière, c'est que la tête.
Il n'y a pas assez de neige pour faire autre chose. Ouais. Je vais faire que l'autre. Il n'y a pas assez de neige pour en faire un vrai. Hein. Bon, plus qu'à faire l'autre. Salut, cocotte. Faites le truc pour les cigarettes là. Ah ouais. La cigarette qui pue, qui pète, qui sent la cigarette. Pouette, pouette. Arrête un sac. Encore une fois, vous avez la bouche pleine de fromage. Bisset qui fromage. Je vous vois pas ici. Allons ici. La cigarette. J'ai une idée.